Re-salut à toutes et à toutes, ici Tatmon.com pour la meilleure. Pour la suite de ce best-of sur Majora's Mask. Oula, c'est un bien live. Alors, précédemment, nous avions récupéré la forme de Link et on avait obtenu le masque des fées qu'on peut voir là. Moi je suis. Non, ça fait un peu. Reste pas toute la journée à regarder tes pieds. Bon bah je vais continuer l'aventure, je sais pas quoi faire, je vais visiter un peu. Visiter un peu la ville avant de partir à l'aventure. Il pleut. Ah putain. Ah non, si ça commence à l'aider déjà. Hop là, on va visiter un peu. Alors, par là, qui est-il ? Un petit peu de tout. C'est le trésor. Non. Pas envie. On va rentrer à l'hôtel. Bonjour. Oui. Pas grave, je vais squatter. Y'a qui ici? Jolie demoiselle? Non, y'a pas de jolie demoiselle. Oh tortue, tu finis d'aider papa? Alors, laisse-moi te dire un coup. Quelle histoire veux-tu? Je passe mon tour, carnaval du temps, quatre géants. Ah oui, c'est bon, c'est le temps. La grand-mère de Ranjo a été ajoutée dans le journal. Ouais, c'est vrai, maintenant j'ai le journal, ça va être trop utile. Hop, on a ce masque ridicule. Voilà. Je suis un lutin, je suis un... Pourquoi ici? Je suis un lutin. Je suis un mouton. Je suis un mouton. Je suis un mouton. Désolé, nous sommes sur le truc. Loulou. Eh, je peux rentrer, non? Je rentre là tout. Bah non. Tu rigoles? Bah non. Bon bah tant pis. Ah je sais là c'est un peu chiant je vous dis. Je pense que s'il n'y a rien de plus intéressant. Ah non ça c'est pour sortir. Je me souviens j'étais là quand il y avait le. T'as dit employé seulement, entrer à terre. Ok. Dans la chambre des gens, tu n'as pas honte? Ok. Je vais voir les filles qui répètent mon festival. Bonjour, mesdemoiselles. Ah oui, lui. Non, 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 ne leur parle pas maintenant. Elles n'ont pas encore fini leur nouvelle danse pour le carnaval. Oh là là, la chanson va terminer. Guru guru, le musicien est vraiment ajouté dans le monde. Ma petite demoiselle. Je vous raccompagne quelque chose. Une araignée. Une araignée là. Bonjour toi. Tiens la petite demoiselle, il y a des lignes dans les bras. Tu sais qu'on va bien s'amuser tous les deux. Judo le fait très bien. Peut-être devrait-on ajouter quelques brilles. Les sœurs Rosa, les danseuses ont été ajoutées dans le journal. C'est vraiment bon en fait. Quoique. Non. Finalement, on va peut-être pas prendre de lit ensemble. Hein. Non. Bonjour, mademoiselle. Ouais, quoi? Hey, t'as fini de remplir? Je ne parle pas maintenant, Gormand, Gormand, le chef de la troupe a été ajouté au journal. Dès que je parle quelqu'un, il va s'ajouter. Vas-y, je vais ajouter tout le monde. Tous mes amis à moi. Ouais. Ah, tiens. Oh, the fuck?
Bug. Oh yeah. Alors, ah ça marche pas, non c'est beaucoup trop simple. Oui, moi si tu veux, je vais te montrer quelque chose qui est encore moins simple. On va bien s'amuser, mademoiselle. Non. On va arriver dans le... Zelda quand même. Les jongleurs. Les jongleurs. Eh bien, justement, des choses marrantes, mais marrant. Vous pouvez dépanir, comme les rumeurs à propos du marais au sud. Attention de parler de l'événement. Un enflètement, Yas. Ouais, mais l'enflant s'est levé, t'as compris? L'enflètement. Oh, j'en ai plein de comme ça. Oh, pourquoi je ris? Cette blague est nulle. Peut-être une autre langue, ça veut dire un truc. Ok. Alors ça, la blague pourrait être mieux. Oh là. Oh. Oh, ils sont mignons, ils sont des bisous. On dirait que vous avez un visiteur, chérie. Je me demande si c'est un client, amour. Oh oui, mais il me semble pas posséder de sac de bombes, chérie. Oh, dans ce cas, il ne peut jouer aujourd'hui, n'est-ce pas, amour? Vous emmerde? Comment ça? Parce que j'ai pas de bombes. Je peux pas avoir de petite copine. Je vous emmerde. Ouais, c'est... Ah, j'ai déjà vu ça. C'est quoi ça? Alors, la morale de l'histoire, c'est que... Si on veut connaître l'amour, il faut tout exploser à coup de bombe. Mais oui, c'est ça. J'ai compris. Ouais. Il faut des bombes. Il faut des bombes. Par le terrorisme. Toi, t'as des bombes? Il me faut des bombes. Ça semble de tir. Mais t'es chier. Bonjour. Oh, quand j'ai vu la petite fille, je me suis dit, tiens, là encore ce pénible crétin masqué qui vient me casser les pieds. Ah bon, s'il n'y a pas d'arc, pas de partie. Je t'en meurs. Ou j'ai pas besoin d'arc, regarde. Ah, merde. Ah, maintenant il faut des arcs. Bon, là, c'est peut-être pas pour connaître l'amour. Pour connaître l'amour. Des arcs et des bombes. Ah là-bas. Merde. Moi j'ai pas lu au moins. Mais non, mais arrête. Ah, des transformations. J'en parle là. Oh yeah, plus bar. Le bar ouvre la nuit, messire, et c'est réservé aux membres. Nous refusons les personnes qui n'ont pas de preuve d'adhésion. Bon, j'allais devoir y aller à la salle, alors, mais on restait pas dans mes pannes. Ouais. La nuit. Ok. Bah, la nuit, c'est vite réglé, hein. Attention. Vas-y. Voilà. Here we go. Quoi? Mais... Ah, je peux pas me transformer à l'intérieur du bâtiment. Pas juste. Bon, je vais encore explorer vite fait. Désolé, la vidéo est chiante peut-être, mais... Ah, mais je vous emmerde. Non. Rentrez, non, déconnez, non. Partez pas, non. Résidence du maire. Bonjour ma secrétaire, j'ai besoin d'un rendez-vous. Bienvenue, avez-vous des affaires en cours? Eh bien, ça gauche, le bureau du maire. Il semblerait qu'il soit en réunion, je crois. La chambre à ta droite est le salon. C'est également le bureau de madame Aroma. Il faut que tu aies un rendez-vous. Ouais, mais je fais... Ouais, mais je fais comment si j'ai pas de rendez-vous? Je vous emmerde, je m'en fous qu'ils soient en rendez-vous ou pas, moi je vais lui exploser. On rentre. Que les Ajoras soient toujours unis. C'est comme ça que les auras se saluent. Oh pardon, je suis Toto, manager des Indiegogo. Je n'ai plus de carte de visite, alors un salut Zora peut mal à faire. Les Indiegogo, c'est le groupe populaire dont les auras sont si fiers.
ils ont écrit pas mal de chansons. L'un de leurs tubes, c'est La Balade du Poisson du Vent. Tu la connais, bien sûr. Hein? Non, vraiment, sûr? Si la représentation n'avait pas été annulée, tu aurais pu l'entendre. Quelle misère! Toto, le manager, il est retour au journal. Oh, serais-tu en sortie éducative? Oh, tu es le détective spécialiste en personne disparue que j'ai engagé? Oui, oui, tu as l'allure d'un pro. La description du disparu? Oui, oui, la voici. La personne en question est mon fils Caféi. Tu le connais, n'est-ce pas? Non, vraiment? Il a disparu il y a un mois, je suis mort d'inquiétude, j'ai perdu l'appétit et 5 kilos au moins. Excuse-moi. Tu n'as aucune nouvelle alors? Alors, peux-tu le rechercher? Oui, pourquoi pas. Mais bien sûr, tu es un expert, alors je compte sur toi. Donnez le masque de Caféi. Équipez-le pour enquêter sur la disparition du Caféi. Madame Aura, la femme du maire, a ajouté le vous avez accepté le boulot du commissaire, vous savez que le juge dans le journal. Attends, il sert à quoi ce masque alors? Bonjour. Vas-y, encore mieux que le masque d'effet. Vas-y, on le garde. Bonjour. Ah merde, j'ai pas été voir le maire. Il va me dire, oh mon fils, oh, on t'a retrouvé. Qui c'est pas ça? What the fuck? What the fuck? La plupart des habitants ont déjà trouvé refuge sans attendre les ordres du maire. Les seuls qui restent sont les fonctionnaires et les membres du comité. Monsieur le maire, messieurs les membres du comité du carnaval, ordonnez aux derniers d'évacuer. Ah, lâche! Vous croyez vraiment que la lutte va tomber? La panique a été provoquée par les habitants superstitieux qui ont répandu cette théorie ridicule. Les soldats ne pouvaient empêcher cette panique, mais le véritable danger réside hors des murs de la ville. Vous voulez un avis? Le carnaval ne doit pas être annulé. N'ai-je pas raison, monsieur le maire? Eh, vous sérieux, Buto? Il semblerait que vous n'ayez pas bien regardé ce qu'il se passe dans le ciel. À cette époque de l'année, nous sommes envahis par les touristes. Pourquoi est-ce aussi désert? Bien sûr, vous êtes chargé du bon déroulement du carnaval, mais cela ne vaut pas s'il y a du monde. N'impliquez pas les marchands qui vivent les soldats là-dedans. Si les soldats veulent fuir, alors qu'ils fuient. Vincent, les membres du comité s'en tiendront aux traditions. Ce carnaval sera un succès, j'ai jamais entendu parler d'une garnison abandonnant la ville. Madame Aroma dirait sûrement la même chose, n'est-ce pas, monsieur le maire? Laissez ma femme hors de ça. Le maire d'Autour a été invité au journal. Je reparle, là. Tout le monde a trouvé refuge. Et le carnaval? On vous emmerde. Papa, c'est moi! Je suis rentré! Et après, je vais me faire adopter et on lui salue. Normal, quoi. Alors. Ah oui, je vais faire ça. Hop. Voilà. Je vais aller. Bah, il est pas censé être ouvert la nuit. Ah, il meurt, faut que j'enlève le masque si je veux lui parler normalement. Attends, il vient du Ranch Romani, il vaut 200 rubis. Vous n'êtes pas surpris? Ce lait a quelque chose de particulier. Ça dépend à qui vous demandez, mais certains considèrent que le lait est une sorte de pouvoir magique. Gorgé, il est cher, mais fort, heureusement. C'est la meilleure vente.
Et pire, le stock sont plutôt réduits. Il y a une route appelée la route du lait au sud de la ville. Ce pourrait être une blague, je vois la route est bloquée par un énorme rocher. Je ne peux pas réapprovisionner au ranger, un peu de clients, déjà. Alors beaucoup de clients deviennent mécontents, mille d'aller. Ouais, ça serait une quête plus tard, ça. Je croyais qu'il était ouvert la nuit, mais en fait, il y a personne. Pour ce qui est de caféine, on enquêtera sur lui plus tard. Là, on va rééquiper le masque de Fela et l'Ocarina à droite. Non, bah pardon. Et attention, et comme la prochaine fois, nous partirons pour... la prochaine fois, nous partirons pour le truc machin milieu de truc. Ouais, bon, reste pas là toute la journée à regarder tes têtes. Voilà, c'est merde, j'ai juste besoin de la voir, parce que normalement, il y a... J'ai envie de la prendre, s'il y a le chant de la tempête, j'aurais bien envie de la prendre. Ah bah oui. Ah bah il est là. Ah il est là, ah enfin. La 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 la. Ils ont vu que j'étais trop bruyant en pratiquant dans ma chambre, ils se sont mis en colère. Maintenant je suis triste, je vais penser au passé pour oublier les mauvais jours, c'est exactement ce que je vais faire. Il y a fort longtemps, j'étais dans une troupe d'animaux, avec des chiens, des ânes et des lapins. Pourquoi un, comment un, pourquoi un homme pourrait s'intégrer? Parce que l'homme est aussi un animal, mon garçon. Ils étaient tous parfaits, mais il y a une chose que je n'aimais pas. Pourquoi? Pourquoi le chien? Pourquoi était-il le chef? Est-ce que quelque chose n'allait pas avec moi? Ah là 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 là! Oh, ce chien était un chef de troupe extraordinaire. Il avait toujours une troupe de stars, quels que soient les animaux. C'est pourquoi c'est pour ça que je l'ai volé, le masque de ce chien. Oui, je l'ai volé. Je le voulais car c'était le masque du leader. Mais je n'en ai plus besoin, je te le donne, tiens. Le masque de vrai, le masque appartenait au chef de l'animal. Il permet de parader le mouvement. Ok, d'accord. Le leader était un bon instructeur. Les artistes devenaient adultes et matures très rapidement. Ah bah cool, maintenant... Ah, j'ai compris, maintenant que j'aille voir. Oh, en fait, dès le début, je fais plein de quêtes annexes. Hiya! Ah ouais, maintenant que j'ai voir les filles. Oh putain, j'ai fait plein de quêtes annexes juste en faisant le con et en me baladant. Wouhou! Hop! Hop! Alors là, je sais pas si la vidéo sera longue ou quoi, mais voilà quoi. Hop! On retourne parler aux belles demoiselles. Il faut... Hop! Hop! Avec le masque du leader! Mesdemoiselles, oh bonjour toi. Ah, le temps d'aujourd'hui est plus clément. Andrew le Vergis a été rajouté au journal. Moi je le préférerais que la grosse là. C'est la grosse Merta. Tu mangeais la martinelle. Elles sont où les filles alors? Ça si je vais là, y'a quoi? Ça dit employé ou employé seulement. Tout est la chambre des gens, tu n'as pas honte. Et les mademoiselles. Ah toi. As-tu rencontré les sœurs Rosa? Elles sont parties de la troupe. Ce sont également des jumelles. Des jumelles, comme nous, voilà, parce que comme d'ailleurs elles sont en train d'avoir qui West. Il y a deux paires de jumeaux dans la troupe de German. Il y a une chance sur combien que ça arrive? Incroyable, non? Je dirais une chance sur 1 million, attends, 4 ou 1 million plutôt. Oh 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 oh. Pourquoi je ris? Cette blague est nulle. Peut-être dans une autre langue ça veut dire un truc. Oui, il arrête de dire dans une autre langue ça veut dire un truc. Elles sont où les jumelles? Jumelles, vous êtes où? Et toi? Jumelles! Où est les jumelles? À toi là-bas. Bah du mal, je suis occupé. Je t'emmerde. Bon bah c'est un dernier truc. Jumelles. Voilà, attention. Okay, on va faire encore. Avec ma tête d'aigle là.
avec ma tête d'aigle. Et là, je veux parler aux jumelles. Excusez-moi, j'en profite pour moucher avec une grâce phénoménale. Voilà. Et je vais pas tarder après d'arrêter la vidéo sur... Allez, oh, il est 6h du mat. Je m'en fous, je vais de l'autre côté. Je m'en fous aux Zelda the World. Non. Je fais de la merde the World. Oh, Zef the World, moi je passe quand même. Transformation en ligne, hop. T'as dit autorisation. Non, non, c'est là où je viens. Bordel, elles sont où? Ah, tout le monde fait balai. Tout le monde cherche un refuge tout devait être tellement plein d'entrain, quelle tristesse. Nous avons trouvé refuge en Romanie ce soir, tu devrais te dépêcher aussi. Ah, donc finalement... parti, bon bah tant pis, je ferai la quête plus tard. Bon bah je pense qu'on va arrêter la vidéo là, et la vidéo suivante, l'action commencera enfin. Et voilà. Donc voilà, j'ai récupéré quelques masques. Je suis pas trop quoi lui faire, c'est bien avec eux. Un gros omerta. Désolé, nous allons nous réfugier comme tout le monde. Te rapier aussi, on dirait qu'elle va s'écraser demain matin. Hop. Allez, ça vibre. Oh, j'aime quand ça vibre. Non, mais je t'ai pas demandé de mettre le masque, quand même. J'ai regardé le plafond. Ah, on va tous mourir, et bah non. Donc, fin de la vidéo. Bon, pas trop... voilà quoi, j'ai juste découvert comment avoir quelques masques et tout basta, et j'ai commencé à mettre des annexes. Mais hop, je vous dis donc que pour la prochaine vidéo, l'action débutera enfin. Et on va se taper des barres et on va tout défoncer tellement on est fort. Je vous dis à ciao, bonsoir.